Merci d'être là. Première question que je peux vous poser, est-ce que ça vous dit quelque chose déjà Lifeline? Oui. Oui? Argus, en fait. Argus, ah, vous êtes parfait. Est-ce que vous travaillez tous un peu dans le milieu de la santé ou... Non, pas vraiment, mais je suis pas mal au courant de ce qui... Alors, fantastique. C'est rare que la plupart des gens connaissent bien Lifeline. Donc, c'est le système de télésurveillance qui permet aux gens qui demeurent à domicile d'obtenir de l'aide 24 heures sur 24, 365 jours par année, en appuyant simplement sur un bouton d'aide. Alors, comme disait le docteur tantôt, qui a trouvé sa tante, qui était demeurée 4 jours sur le plancher, si possiblement elle avait eu Lifeline, elle aurait appuyé sur son bouton d'aide, et à l'intérieur de quoi 15 minutes, quelqu'un serait venu à son aide. C'est pas le seul cas des chutes, il y en a. Je peux vous donner quelques statistiques. Exemple, en 2004, il y a eu 300 000 chutes au Québec chez les aînés. Sur ces 300 000 chutes-là, il y a eu 50 000 personnes qui ont dû voir leur médecin. 12 684 personnes, pour être exact, ont dû être hospitalisées. Il y a eu 608 décès. Donc, vous voyez quand même que c'est grave et qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense des chutes. Chaque année, c'est le même pourcentage. D'ailleurs, 30 % des aînés vont chuter chez les 65 ans et plus. Ce chiffre augmente à 50 % chez les gens de 80 ans et plus. Alors, oui. Et c'est la première cause, d'ailleurs, de la cause de mortalité chez les aînés. Ce sont des chutes. Alors, je croyais que c'était important de vous le dire. D'ailleurs, j'aime l'image qu'ils ont en Europe. Ils parlent de syndrome de la tortue. Je ne sais pas si le docteur Demion, ça lui dit quelque chose. Chaque fois, je pose ça comme question aux jeunes. Personne ne le connaît. Mais en France, ils utilisent beaucoup ça. Puis j'aime l'image, le syndrome de la tortue. Alors, on imagine, j'avais une photo, là, mais une tortue sur le dos. Elle est incapable de se relever. Alors, c'est le même principe chez les aînés. Souvent, l'aîné va faire une chute. Il n'y a pas de blessure. Mais ils sont incapables de se relever. Puis j'en ai discuté avec plusieurs aînés, justement, puis ils disaient, effectivement, je suis tombé, puis c'est faiblesse. Ils n'ont pas la force, puis ils se reposent. Ils attendent. On va attendre une heure, peut-être je vais être correct, deux heures, trois heures, mais finalement, ils ne se relèvent pas. Alors malheureusement, c'est pour ça qu'ils appellent ça le syndrome de la tortue. Ce sont des gens qui sont incapables de se relever. Et ce qui arrive, c'est que pour être exact, le pourcentage des gens, la moitié, en fait, plus de 50 % des gens qui font une chute et qui sont incapables de se relever au bout d'une heure, vont décéder à l'intérieur de 6 mois. Alors, encore une fois, je ramène toujours ça à Lifeline. Pourquoi on existe? Rapidité d'intervention. C'est simple, parce que à quoi sert sinon Lifeline? C'est d'avoir quelqu'un qui va venir vous aider rapidement. Alors, les conséquences d'une chute, il l'a mentionné tantôt, si la personne est restée sur le plancher plusieurs heures, hypothermie, pneumonie, insuffisance rénale, il y a plusieurs conséquences, mais aussi, qu'est-ce qui arrive au patient une fois qu'il est hospitalisé et doit revenir à la maison? Premièrement, la crainte d'une nouvelle chute. On dit qu'ils ont 50 % plus de chances de faire une chute une fois qu'ils sont de retour à la maison. Donc, isolement, les gens craignent de sortir. Donc, leur condition s'affaiblit. Et c'est là qu'effectivement, ils sont beaucoup plus à risque. Donc, on parle d'invalidité, puis des fois même la mort. Alors, Lifeline, comment ça fonctionne? Très important de savoir, c'est qu'on a des boutons d'aide, les gens doivent porter sur eux, 100 % étanches. Donc, on les porte dans le bain, dans la douche. S'il faut sortir, c'est pas grave, on le garde quand même parce qu'on ne veut pas que la personne l'enlève et par la suite oublie de remettre son bouton d'aide. Donc, même si elle va faire de l'exercice, va à la piscine, à ce moment-là, c'est pas grave, elle le garde avec elle 100 % étanche. On a plusieurs types de boutons d'aide, pendentifs, bracelets, et on en a un nouveau aussi, c'est une montre. On a travaillé avec Timex et c'est une montre avec un bouton d'aide intégré. Même chose, 100 % étanche, on peut le porter n'importe où dans la douche et dans le bain. Ça fonctionne jusqu'à 200 pieds de circonférence. Donc, les maisons, ça coûte 30 pieds peut-être de large, 30-40 pieds, les grandes maisons. Ce que ça veut dire, c'est que vous pourriez être à l'extérieur de votre maison, à travailler dans votre jardin. Vous êtes en bas des marches, vous faites une chute, vous appuyez sur votre bouton d'aide, ça va quand même fonctionner. OK? C'est ça qui est important de savoir. Donc, 200 pieds de circonférence. Si vous êtes au centre d'achat, ça ne fonctionne pas. Vous êtes en train de magasiner? Non. Mais il y a quelqu'un qui va venir vous aider sûrement, j'espère. C'est pour la maison. La sécurité pour la maison, tranquillité d'esprit pour la maison. Alors, c'est important de savoir, comme je vous dis, qu'est-ce qui arrive quand vous appuyez sur le bouton d'aide? Qu'est-ce que ça fait? Ça envoie un signal.
une centrale, ou ce qu'on appelle un centre de télésurveillance qui se trouve ici à Montréal. Et à ce moment-là, on prend l'appel et le temps moyen pour l'appel est de 16 secondes, ce qui est quand même assez rapide, 24 heures sur 24 toujours. Donc, on va vous appeler et on va communiquer avec vous par ce qu'on appelle un communicateur qu'on installe dans votre maison. Veuillez vérifier l'alimentation électrique et les branchements. Je sais qu'il n'est pas branché, mais je voulais juste faire entendre qu'il y a un haut-parleur, il y a un microphone. Donc, ça devient comme un téléphone main libre. C'est ça le but, c'est que la personne qui fait une chute n'est pas obligée d'essayer de ramper jusqu'à son téléphone pour essayer d'appeler de l'aide. Hein? Sinon, à quoi le but d'avoir Lifeline? Donc, la personne est par terre, on l'appelle, elle nous entend. Oui, bonjour madame, est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, je crois que j'ai fait une chute, j'ai besoin d'aide. Parfait madame, on vous envoie l'aide immédiatement. Que je l'entende ou non, parce que ça peut arriver que les gens sont tellement faibles, c'était possible pour nous de l'entendre. C'est pas grave, on envoie l'aide quand même. On prend aucune chance, on va envoyer l'aide. Qui sont les gens qu'on contacte à ce moment-là? C'est sûr que la personne dit, regarde, j'ai une crise cardiaque, je devrais faire un infarctus, puis on regarde le dossier, effectivement, la personne a des problèmes de santé. On va appeler 911, mais on appelle un répondant. Parce que ça fonctionne comme ça, Lifeline, on fonctionne avec des répondants. On a, exemple, jusqu'à 5 noms de personnes qu'on peut rejoindre. Un voisin, un ami, de la famille. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a une clé. Parce que même si j'appelle l'ambulance, malheureusement, la porte est barrée. Parce que des fois, les gens sont capables d'ouvrir la porte, puis des fois, ils sont incapables d'ouvrir la porte. Donc, on veut éviter de défoncer la porte. Alors, à ce moment-là, ça prend un répondant. Puis des fois, comme j'ai expliqué tantôt, la personne tombe par terre, elle a une faiblesse, elle n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Elle a simplement besoin d'être relevée et peut-être aller dans son lit ou sur la chaise. Donc, c'est là qu'on appelle le répondant pour aller aider la personne. Si le premier répondant, comme si quelqu'un de la famille ou voisin n'est pas là, on appelle le deuxième ou le troisième. Puis s'il n'y a personne, c'est sûr qu'on appelle, comme je vous dis, la police pour venir aider. On ne laissera pas personne dans le besoin. Ça, c'est assuré. Est-ce que vous avez des questions à date en passant? Il ne faut pas que je mélange personne non plus, là. Ça va? Alors, deux choses. Une chose importante de ne pas oublier, il y a des gens qui sont plus à risque, effectivement. Puis, donc, pour éviter de se lever pour répondre au téléphone, parce que souvent, notre réaction quand le téléphone sonne, c'est qu'on court vers le téléphone. Donc, on prend notre douche, on vient sortir prendre notre douche, le téléphone sonne, justement, on glisse, on fait une chute. Avec Lifeline, plutôt de courir pour prendre le téléphone, on appuie sur le bouton d'aide. Ça n'envoie pas un signal, c'est que simplement, ça devient un téléphone main libre. Donc, on entend la personne. Exemple, si mon fils m'appelle, puis que je ne veux pas courir, aller au téléphone, puis risquer de me blesser, j'appuie sur mon bouton d'aide, puis je vais entendre mon fils dans mon communicateur, qui est ici. Il dit, ah, bonjour, maman. Ah. Ouais, lui-même va être surpris, mais il va peut-être le savoir à un moment donné quand même. Donc, vous allez pouvoir parler librement, comme un libre, plutôt qu'être obligé de... Comment se fait-il que ça va chez vous? Merci, bonne question. Effectivement, ça, quand l'appel est entrant, donc quand c'est un appel qui entre, à ce moment-là, quand j'appuie sur mon bouton d'aide, je peux répondre, puis ça devient un téléphone main libre. Mais quand j'ai besoin d'aide, à ce moment-là, c'est un appel qui est sortant. Donc, c'est moi qui appelle, qui appuie sur mon bouton d'aide, ça envoie un signal d'alarme. Donc, quand c'est un appel qui entre, ça devient pas, ça envoie pas... l'alarme comme tellement. Puis on demande aux gens d'ailleurs d'appuyer sur le bouton d'aide au moins une fois par mois. Tous les 31 jours, ils doivent appuyer sur le bouton d'aide. S'ils ne le font pas, ils vont entendre un message qui leur indiquant qu'ils nous mettent en temps de vérifier votre appareil Lifeline. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'aide. Pourquoi? On veut s'assurer que le bouton d'aide fonctionne bien, que l'appareil fonctionne bien aussi. C'est très important. D'ailleurs, lorsque la pile, parce que ça fonctionne avec une pile, il y a une pile rechargeable qui est bonne pour 5 ans. Si jamais elle devient faible, ça envoie un signal à Lifeline. Lifeline vous appelle, Philips Lifeline vous appelle et vous indique, vous demande quand est-ce que vous êtes disponible qu'on puisse changer votre pile. Même chose pour les boutons d'aide, il y a une petite pile intérieure. Si jamais la pile devient faible, ça envoie un signal. On sait qu'on doit changer le bouton d'aide. On ne prend aucune chance. C'est comme ça. Donc, la pile rechargeable, ça, c'est la raison, c'est que si jamais il y a une panne d'électricité, c'est bon, je crois maintenant, jusqu'à 32 heures.
Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter s'il n'y a pas d'électricité. La ligne téléphonique va fonctionner quand même. Ça vous va? Je vois des gens qui prennent des notes. Alors, on va s'assurer. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet de Lifeline et pourquoi? Bien, moi, je ne suis pas sûre. Quand on appelle, si tu pèses un bouton vert, la centrale le sait. Ils sont avertis. Pour que notre garçon vienne. Bien, eux vont. Ton fils va être le premier répondant, eux vont l'appeler tout de suite. Oui, oui. Exactement. Exemple, c'est votre fils qui est le premier répondant. Vous avez fait une chute. Vous appuyez sur votre bouton d'aide. On va appeler votre fils pour dire que votre mère, il y a eu quelque chose. Si on ne le sait pas, on n'est pas certain. Par exemple, on lui dit d'y aller immédiatement. Il va se rendre sur place. On est vous aider. Pour que ce soit le plus rapide possible. Oui. Il y a une personne dans le building où j'habite dont la vie a été sauvée grâce à la clé il n'y a pas tellement longtemps. Ah oui? Le printemps dernier, oui. Merveilleux. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans son cas? Ah oui? Oui, elle était consciente, mais elle ne pouvait pas parler. Juste assez consciente pour appuyer sur son bouton d'aide. Oui, donc, pour elle, elle était capable de parler. C'était à quel endroit? C'est-tu dans l'ouest de Montréal? Ou dans sur Moncton. Moncton, oui. Donc, oui. Et moi, j'ai appris qu'il y avait une personne qui était tombée dans son bain à Outremont. J'ai appris ça par Serpent. C'est le centre de bénévolat. Je travaille bénévole pour Serpent. Elle est tombée dans son bain. Elle est restée 6 heures avant d'avoir de l'aide. Son fils est arrivé le soir, puis elle était dans son bain. Alors, depuis ce temps-là, elle est lifelong chez elle. Malheureusement, c'est toujours le cas. Puis c'est là que les gens appellent Lifeline. C'est suite à une chute qui ont resté pris pendant plusieurs heures. Puis des cas d'horreur, on en a. J'ai un monsieur qui est venu me voir. Je vais vous conter un cas d'horreur. C'est que le monsieur a voulu prendre son bain. Il a eu une faiblesse. Il a perdu connaissance, mais il a ouvert l'eau chaude du bain. Mais il est tombé. Il était dans son bain. Je ne sais pas comment il a fait son cas. Mais quand il s'est réveillé, c'est parce que l'eau était devenue froide. Mais il s'est brûlé jusqu'au troisième degré. T'sais, il est resté là des heures, mais il a réussi quand même à tenir de l'aide, à crier. Il était très chanceux. Alors, il y a des cas. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir une chute, parce que moi, j'ai eu une mutation dernièrement. Et j'étais très heureuse d'avoir la mutation juste à côté du téléphone. Autrement, j'aurais pu rester des heures sans aide. Merci. Parce que souvent, on parle de chute, oui. Effectivement, oui, des chutes, mais on peut avoir un malaise. On peut, écoutez, intrusion. Il y en a quand même de cas d'intrusion. Quelqu'un est en train de forcer la porte, puis c'est arrivé encore dernièrement avec Lifeline. Quelqu'un qui essaie de forcer la porte, automatiquement, on appelle la police. Un feu, vol, violence conjugale. En passant, on a plusieurs cas comme ça. On travaille avec Sherbrooke, où les femmes qui subissent de la violence ont Lifeline. Ce qui arrive, c'est que quand ils appuient sur le bouton d'aide, c'est silencieux. Donc, ça ne met aucun son, parce que sinon, la personne pourrait devenir deux fois plus violente. Alors, on appelle, ça va directement à la police et on vient à son aide. Alors, non, ce n'est pas seulement pour les chutes. Oui, madame? Combien y a-t-il de répondants? Combien vous pouvez avoir de répondants? Les répondants, ce sont des gens de votre entourage, de la famille, des voisins, des amis. La famille. Combien peut-on en deux? Je crois que c'est 5 ou 6. Peut-être, écoutez, si vous en avez plus, je ne pense pas qu'il y a vraiment un problème si d'en ajouter. Si le premier est en vacances, ça tombe sur un deuxième. Un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Ce qu'on fait aussi, moi je propose toujours d'avoir une clé de cachet quelque part. Ils vendent des petits boîtiers qu'il faut faire installer à l'extérieur avec un code. Exemple, ça prend 4, 5, 7 pour rentrer ça. Des petites clés cachées, donc c'est discret, caché quelque part. Lifeline connaît la cachette. Connaît le code pour entrer. Donc, même si on appelle la police, à ce moment-là, ils peuvent avoir accès à la clé, pas obligé de défoncer votre porte. Ouais. Même chose que si un répondant a perdu la clé ou n'a pas la clé, peut quand même se rendre sur place et accéder à une clé. Sinon, vous cachez une clé quelque part. Ma mère a Lifeline, elle a une clé de cacher quelque part. Je peux vous dire que deux fois, elle a appuyé sur son bouton d'aide parce qu'elle souffre de maladies pulmonaires. Et je me suis rendu sur place, mais l'ambulance était déjà dans la maison. Parce qu'ils connaissaient la cachette de la clé, ils ont accès à sa demeure. Donc,
Mais la cachette, c'est à l'intérieur du logement. Non, il faut qu'elle soit à l'extérieur, si possible. Oui. Parce que là, ça, c'est trop une bonne cachette. On préfère les cachettes à l'extérieur. Absolument. Pas en dessous du paillasson. Non, ça, c'est moins. Non, ça, c'est connu, ça. C'est un petit peu plus connu, celle-là. Peut-être à l'arrière de la maison, en tout cas. Il y a bien des places qu'on peut cacher. On a deux types de communicateurs, comme je vous ai montré. Il y a celui-ci. Okay. Qu'on installe, c'est simplement branché à votre téléphone. Donc, il y a un fil téléphonique branché à votre téléphone et il y a un fil électrique à l'arrière. C'est rien de compliqué, facile à installer. Ça, c'est le premier. On en a un autre. Et lui, il fait exactement les mêmes fonctions que celui-ci. Donc, si j'ai besoin d'aide, j'appuie sur le bouton d'aide, ça envoie un signal. On communique avec vous. Il y a un haut-parleur, il y a un microphone. Sauf que c'était un téléphone, donc je n'ai pas besoin de brancher un téléphone. C'est un téléphone et un communicateur, donc deux en un. Les chiffres sont plus gros que normal. Le soir, c'est illuminé. Et là, on va essayer de... 4, 9. Donc, chaque chiffre peut être confirmé verbalement. Bonjour, jeudi 4h06 p.m. Donc, on peut connaître le jour et l'heure. Des fois, un déficit cognitif, les gens peuvent se rappeler au moins. On peut programmer jusqu'à 4 numéros, exemple son fils, l'hôpital, c'est le C. Ça, c'est une des choses. Mais pourquoi ça existe? C'est ce qu'on appelle un communicateur de rappel. Ce qui veut dire qu'on peut programmer jusqu'à 6 rappels. Des rappels quotidiens, hebdomadaires ou spécifiques. Donc, la personne doit suivre un plan de soins, doit faire tel ou tel exercice. On peut le programmer. La personne doit prendre des médicaments, jusqu'à 6 médicaments par jour. Ça peut être 8h01, 11h03, aussi précis que ça. Il y a un rappel qui va être attendu dans la journée pour lui dire qu'elle doit prendre son médicament. Je vais vous donner un exemple. Ça, un petit... 4h07 p.m. Rappel, appuyez sur le bouton jaune de réinitialisation pour entendre votre message. Donc, habituellement, vous ne touchez pas aucun bouton. Je suis obligé de forcer le message, là. Donc, vous êtes en train d'écouter votre émission favorite et vous avez oublié de prendre votre médicament. Vous allez entendre ce son-là. Si vous ne l'avez pas entendu, 15 secondes plus tard, ça va repartir pour vous rappeler de prendre votre message. Habituellement, c'est... Vous devez le faire. Il est fatigué, je pense. À chaque 15 secondes, ça va repartir pour vous dire que vous avez un message. À ce moment-là, vous appuyez... Bonjour, madame. N'oubliez pas de prendre votre médicament de 13h30 et bonne journée. Donc, ça vous donne votre message. La programmation se fait à la maison même en appuyant sur un bouton de programmation qui vous dit « Faites le 1 pour un message une fois par jour, faites le 2 pour un message une fois par semaine, et ainsi de suite. » Vous rentrez là. Ça peut être, je peux vous dire que ça peut être des fois un peu compliqué pour certains aînés. Dire « Regarde, mon Dieu, je ne suis pas capable de programmer ça. » Oui, les enfants peuvent aider. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut programmer à distance. Donc, exemple, ma mère à l'appareil, elle me dit « Gars, Stéphane, moi, je trouve ça trop compliqué, là. » C'est parfait. Je suis chez moi, elle est chez elle. Elle appuie sur le bouton programmation, elle ferme sa ligne. Et de chez moi, je continue la programmation et j'enregistre le message. Ça peut être une infirmière. Ça peut être n'importe qui va accepter de faire le message, bien sûr. Souvent, c'est parce que les professionnels de la santé hésitent à enregistrer les messages pour craindre de poursuite si jamais justement la personne ne prend pas son médicament. Puis bon, on peut deviner un peu que jusqu'où ça peut aller. Donc, c'est les fonctions que l'autre communicateur n'a pas, mais je vous dis pour les gens qui souffrent de déficit cognitif ou doivent suivre un plan de soins ou prendre plusieurs médicaments, c'est peut-être une solution idéale. Mais on peut faire des téléphones quand même. Oui, c'est un téléphone régulier, comme vous avez habituellement. Il est un peu plus gros que normal, des fois plus facile à manipuler. Les chiffres sont plus gros aussi, donc plus facile à voir, soit le jour ou le soir. C'est tous des ça vous va? Ah, peut-être celui-là, vous ne l'aviez pas vu. Ça, c'est en installation, c'est relié à Bell? Ça prend une ligne Lifeline. Fonctionne n'importe où il y a une ligne téléphonique. Okay. Que ce soit Ben, ça peut être un Vidéotron, mais ça prend une ligne téléphonique, effectivement. Donc, il y a un coût relié à Lifeline. Le coût est de 41 $ par mois. Ce sont des contrats à court terme.
personne vous demande d'être avec Lifeline pour un an. Pourquoi? Souvent, c'est exemple post-opératoire. Les gens doivent sortir de l'hôpital, ont besoin de plus de sécurité. Bien, ils peuvent utiliser Lifeline à ce moment-là pour 3 mois et annuler par la suite. Donc, il n'y a pas de contrat à long terme. On a plusieurs programmes et partenariats à travers le Canada. On a d'ailleurs 250. À Montréal, exemple, on a l'hôpital général juif, on a le CHUM, le Royal Vic, Cité de la Santé, le CHUC à Québec. Pourquoi ces partenariats-là? Premièrement, très belle visibilité pour Lifeline, vrai. Mais en même temps, ce que ça fait, c'est qu'on redonne aussi de l'argent à ces fondations-là. Et on permet aux gens qui n'ont pas les ressources financières d'avoir nos services Lifeline gratuitement. Donc, une personne qui dit, regarde, je suis incapable de payer Lifeline, ils en font la demande auprès de leur CLSC. CLSC vérifie si un appareil est disponible, exemple avec le CHUM. Si un appareil est disponible, il prête à la personne. L'installation, c'est gratuit. Les frais mensuels, c'est gratuit. La personne peut garder 3 mois, 1 an, 30 ans, ça va être gratuit. Aussi longtemps qu'elle a besoin du service. Alors, le Lifeline, c'est toujours le même principe. On existe depuis 1974. On a 650 000 abonnés pour une raison. C'est qu'on s'assure que les gens qui ont besoin de notre service ont notre service. L'appareil téléphonique se détaille à combien? L'appareil, 45 $ celui-ci, le communicateur, comme tel, avec rappel. Donc, de base, 41 $ par mois, mais vous n'avez pas besoin de celui-là. C'est un ou l'autre. Et celui-ci, c'est 45 $ parce que simplement les fonctions de rappel par sur mois. L'appareil. Par mois. C'est exactement. Pas un achat. Là. C'est non, il n'y a pas d'achat, c'est une location. Il n'y a aucun achat. Seuls les CLSC peuvent acheter des appareils. Donc, s'il y a des gens ici qui sont dans le milieu, les CLSC achètent les appareils et à ce moment-là, peuvent prêter les appareils à coût moindre à leurs patients. Donc, la plupart des CLSC ont 4-5 appareils et ça peut aider vraiment les gens. Je crois que le coût est de 18 $ par mois à ce moment-là. Donc, ça aussi, c'est important des fois de demander à son CLSC. Ah oui? Vous faites affaire avec quel CLSC? Ben, c'est pas pour moi, là, mais ma voisine fait affaire avec le CLSC Côte-des-Neiges. Elle a un appareil comme ça. C'est moi qui l'entends quand il sonne. Elle n'entend rien. On ne l'entend pas. Je pourrais répondre. Je pourrais répondre pour elle. Ben, je suis le premier répondant. Ah, bon. Parce que si jamais j'entends, je vais me précipiter là, si je suis chez moi. Mais félicitations d'être le premier répondant. Elle a quoi? On ne l'entend pas quand elle parle. Mais elle ne croit, elle l'entend pas, c'est ça? Des fois, elle ne l'entend pas parce qu'elle a un problème. Mais quand on lui parle, même si elle répond, on ne l'entend pas. Est-ce que vous croyez que c'est la même chose avec Lifeline quand ils doivent lui parler ou? Ben moi, je n'ai pas eu à m'en servir. OK, là. Bon. Je pensais que au moment de l'installation, étant donné que j'étais le premier répondant et que je reste à côté, qu'on me dit, on m'informerait comment ça fonctionne. Parce alors? Que les premières fois, là, je vais vous dire que je sortais ma clé et je rentrais. C'est ça, on est parce inquiet. Que je faisais beaucoup de tests. Ah, OK. OK, puis mais vous n'attendiez pas qu'ils vous appellent? Est-ce que vous êtes à côté? Bien, je l'entends comme si c'était dans mon appartement. Mon Dieu. Ça, c'est des cas exceptionnels, ça. Là, il y a des fois, là. En fait, lors des installations, on demande toujours à ce que quelqu'un d'autre soit présent. J'imagine que ce n'était pas vous à ce moment-là, c'est peut-être quelqu'un d'autre de la famille. Il n'y avait personne. C'est bizarre qu'elle ne vous a pas demandé à vous d'être là. C'est toujours. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer justement que la personne comprend bien le fonctionnement. Puis si elle ne l'a pas compris, peut-être l'autre personne va l'avoir compris pour pouvoir l'aider par la suite. Puis voir, en étant le premier répondant, ça a été comme très, très important que vous soyez là. Ce que j'étais pour vous demander plus tard comme question, si elle est dans l'escalier pour aller chercher son courrier puis qu'elle tombe... Oui. Que se passe-t-il? Là, vous me dites qu'il y a 200 pieds de... Oui, c'est ça. Bon. Fait que j'imagine qu'elle pourrait appuyer sur son bouton puis... À ce moment-là, ils vont vous appeler et vont dire Madame Tremblay est tombée, est-ce que vous pourriez aller voir? Là, vous allez voir dans l'appartement, vous allez voir bien sûr qu'elle n'est pas là. Ils vont vous dire on ne l'entend pas, mais vous allez savoir qu'elle est à l'extérieur quelque part,
Donc, vous allez faire le tour, voir. C'est comme ça, vous allez trouver la personne, on va essayer de tout. Oui, oui. Mais c'est bien sûr que le protocole. Je suis pas certaine que ça, c'est ça. Elle n'a pas fait. Okay. Elle, là, c'était pour son appartement. Écoutez, c'est sûr, c'est pour l'appartement, mais à chaque, comme je vous dis, lors des installations, la personne qui s'occupe de l'installation doit faire les tests. Donc, juste pour assurer la personne jusqu'à où fonctionne l'appareil, pour dire, regarde, si vous jamais vous êtes dehors, ça, moi, ça va aller jusque-là. Okay? C'est ça qui est important à savoir. Vous pourrez faire les tests. Dans le fond, vous me dites qu'elle ne l'a jamais fait, mais avec elle, vous pourriez simplement faire les tests à ce moment-là que pour aller se promener. Puis appuyez sur le bouton d'aide, vous êtes à côté du communicateur, vous allez dire, on fait simplement des tests. Parce qu'on peut appuyer sur le bouton d'aide 100 fois par jour, vous n'allez pas recevoir une facture additionnelle. Okay? Ça, c'est important à savoir. C'est pas important pour nous. C'est savoir que tout va bien, puis on peut vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Okay? Mais un va avec l'autre. Un va avec l'autre. Le bouton d'aide. Oui. Celui-là. Oui, peu importe, un des trois, là. Va avec celui-là. Ou celui-là. Peu importe. C'est à vous de choisir ce que vous voulez avoir comme bouton d'aide. OK? Donc, c'est un choix. C'est simplement ça. Parce que la dame, dont sa voisine est tombée dans l'escalier, c'est parce qu'elle avait un bouton, comme vous avez dit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de chute. Elle avait fait déjà des chutes. Mais elle n'a pas encore fait. Et elle n'avait pas personne. Notre signal que j'aille là. Lui aider, c'était qu'elle frappe sur le mur avec sa canne. Mais là, imaginez-vous que la nuit, moi, j'essaie de dormir. Là, fait que c'était pas c'est, la canne, c'est maintenant Lifeline. Donc, elle a décidé de s'abonner à ce principe par l'intermédiaire du CLSC. Fait qu'elle a fait de la demande au CLSC. Elle a sûrement parlé à son CLSC. Je ne vous dis pas que le CLSC, à chaque fois que vous faites une demande au CLSC, vous allez avoir un appareil à 18 $ par mois. Ben, parce qu'on me dit qu'ils ont 4-5 appareils prêts aux gens. Donc, si l'appareil n'est pas revenu, ils ne peuvent pas l'enlever de quelqu'un. Non, ben c'est ça leur bord. Probablement que c'est... Ils font affaire avec le CLSC, donc c'est l'hôpital général juif de Montréal sûrement, Côte-des-Neiges, il est juste à côté là. Donc, ils doivent recommander. Ils peuvent avoir un appareil même gratuit à ce moment-là si elle a des problèmes financiers, si elle a des difficultés financières. Elle peut demander un appareil gratuit avec l'hôpital général juif. Elle a eu l'installation gratuite, mais elle paye bon. Son 40 $. C'est ça. Comme 95 % ou 96 % des clients. C'est ça. Oui. Il y en a dans tous les CLSC de la ville de Montréal? Je ne peux pas vous assurer. Dans 95 % au moins des CLSC, la plupart ont des appareils, ont déjà acheté des appareils. Sinon, de toute façon, c'est Lifeline. Ce qu'ils vont vous dire, c'est que oui, vous avez effectivement besoin de ce service-là. Je vous recommande, exemple, d'utiliser Lifeline. Ils vont vous donner à des clients un numéro de téléphone à appeler. OK? Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous dire, ah, justement, on a un appareil pour vous. Ça va dépendre. Souvent, c'est avec le service social, le travailleur social. Ils vont vérifier quels sont vos revenus, quelles sont vos dépenses. C'est, oh, il y a peut-être un appareil disponible pour vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je veux savoir le fait d'avoir ça à domicile. Est-ce que la personne peut déduire pour le maintien à domicile, ça fait du partie? Malheureusement, non. Je ne peux pas le croire, mais non. Auparavant, il y a 10 ans, lorsque le médecin référait Lifeline, recommandait Lifeline, à ce moment-là, oui, c'était possible. Il y a 10 ans. Mais maintenant, non. Vous pouvez faire... Tondre le gazon, nettoyer les piscines, nettoyer les murs chez vous, bon, l'entretien ménager, tout ce que vous voulez. Ça, c'est déductible. Mais pour sauver votre vie avec un bouton d'aide, non. Est-ce qu'il y a une raison? J'ai appelé, j'ai vérifié, il faudrait que ça aille en chambre, passer de changer les lois. C'est parce que ça coûte cher. Fait que c'est un moyen, il faut couper quelque part. Puis malheureusement, sauf bouton d'aide. C'est écrit en gros. Bouton d'aide, ce sont des boutons d'aide, ceux-là. Donc, c'est écrit bouton d'aide. Donc, tous les compagnies qui ont un bout de bouton d'aide au Canada, c'est malheureusement. Okay. Mais de toute façon, c'est important de vérifier auprès de votre CLSC, si jamais vous avez besoin, auprès de l'hôpital, auprès de Lifeline. On a des subventions aussi à l'interne chez Lifeline. Donc, ça aussi, c'est important de voir
si vous, vous seriez un candidat pour obtenir une subvention de Lifeline. Une subvention, c'est-à-dire réduire le coût? Oui. On appelle? Comment ça fonctionne? Vous appelez et vous en faites la demande. Ils vont vous demander des questions simples, comme quels sont vos revenus, quelles sont vos dépenses, combien croyez-vous pouvoir payer? Donc, ils ne vont pas plus loin que ça? Non. Ils font pas d'études de crédit. Non, non, il n'y a pas de non, exactement. C'est un peu personnel. Ils ont pas de on pourrait quand même demander des T4. On ne demande rien. On se fie sur la bonne foi des gens et l'exactitude des ce qu'ils nous donnent comme renseignement. C'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est, moi, je trouve ça très intéressant. Ne merci. Pour le volet intrusion dans les maisons. Parce qu'il y en a de plus en plus, il y a des personnes qui surveillent les personnes âgées, où est-ce que vous demeurez, on les suit, c'est ça exactement. Ne serait-ce que pour ça. Et rapidité d'intervention, par contre, exactement. Parce que, comme je dis, plus vous êtes longtemps sur le plancher, malheureusement, plus votre état s'aggrave. Oui. Donc, c'est pour tranquillité d'esprit. Indépendance, ça permet à la personne aussi de garder son indépendance beaucoup plus longtemps. Parce que quand on vit seul, on est beaucoup plus craintif avec l'âge. Plus on avance en âge, moins on se sent sécure. Donc, Lifeline, ça nous permet de se sentir beaucoup plus sécure parce qu'on sait que 24 heures sur 24. À la maison et aux alentours, mais pas plus loin. Pas plus loin. Non, aux alentours au moins, mais c'est déjà ça en partant. Pour la sécurité des gens. Si une personne tombe sur le trottoir ou au coin de la rue ou en face de l'épicerie, je pense bien qu'il va y avoir quelqu'un alentour. On espère bien. Puis on ne sait pas, peut-être que ça va se développer, puis on va arriver avec quelque chose qui va faire on va pouvoir vous aider, peu importe où vous allez être. Est-ce que c'est un beau plan de. Mais Philippe, c'est derrière. Philippe, c'est en dessous. On est parti d'une compagnie Lifeline qui est de 700 employés à 159 000 employés chez Philips. Donc, c'est acheté en mai 2006. Ils croyaient vraiment à Lifeline et veulent développer beaucoup, beaucoup de nouveaux produits et services pour aider les gens. Donc, de nouvelles technologies, ils ont de l'argent pour investir et il y a beaucoup de recherches qui se font en ce moment même. J'ai une dernière question. Le fait que ça soit loué. Donc, s'il y a un problème, ils viennent. Automatiquement, c'est nous. C'est notre responsabilité, peu importe. Avec le bouton d'aide, c'est changé rapidement. Les installations se font de. Si vous appelez, c'est de 24 à 48 heures pour avoir une personne qui se déplace chez vous, que ce soit le jour, le soir, les fins de semaine. Juste une question pour les vous devez louer une ligne téléphonique. Vous avez. Mais tout le monde a une ligne téléphonique, d'accord? Oui. Mais c'est. Donc, si on achète si on prend l'appareil. C'est seulement 45 par mois. Il faut en plus payer une ligne téléphonique. Non, vous avez besoin d'une ligne téléphonique parce que ce que ça fait, c'est que ça envoie un signal, donc ça signale jusqu'à la centrale. C'est une totale, en tout. Ça va dépendre de ce que c'est vous. C'est la ligne téléphonique personnelle. Oui. Plus. Plus. J'en ai une ligne téléphonique. Bon. Si ça vous coûte, exemple, 30 $ votre ligne téléphonique, bien, c'est 30 $ plus 41 $ pour le service 24 heures sur 24. Si j'ai déjà le téléphone, ça ne coûte pas plus que 41 $. C'est ça, exactement. Oui. Parce que les alarmes, comme on a dit, vous devez avoir une ligne téléphonique additionnelle. Ah, pour ADT. Oui. OK. Une ligne téléphonique pour ADT qui est dédiée à ça. Moi, j'ai eu ADT, puis je n'avais pas de ligne additionnelle. Non. Vérifier. Chose certaine, l'appareil, on va prioriser, c'est lui qui est branché sur la première entrée. Il va signer une alerte. C'est lui qui va briser. Même s'il y a d'autres téléphones ouverts dans la pièce, l'alarme va passer quand même. La DT, c'est pareil, c'est le même principe. Mm-hmm. On a besoin d'une ligne téléphonique. Donc, l'installation de votre petit module oui. doit être utile, doit être branchée sur l'entrée principale. Ça, c'est oui. tout ça que si vous avez deux, trois autres... Bon, en fait, la raison, on l'installe surtout à un endroit où on va pouvoir mieux entendre la personne. Donc, salle de bain, chambre à coucher, je vais le mettre dans le centre pour être sûr que... Parce que c'est là que les gens vont faire plus de chances de faire de risque de faire de chute. Donc, c'est sûr qu'on va l'installer à cet endroit-là.
C'est la seule raison, parce que peu importe l'entrée, s'il n'y a pas vraiment une entrée principale, une prise principale, les autres fonctionnent mal, il y a toujours une... c'est les mêmes prises. Là. C'est d'accord. Merci beaucoup tout le monde pour votre attention. Merci. 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 Merci.